Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo de Tectus en mode normal qui va reprendre certains éléments qui paraissaient encore un petit peu brouillons dans la première vidéo, comme par exemple le placement. La première vidéo proposait quelque chose de très joli sur le papier, très joli sur la vidéo, mais quelque chose des fois un peu aléatoire en fonction des placements des piliers et des AOE du boss. C'est pourquoi nous allons revenir sur une strat qui est beaucoup plus pratique, beaucoup plus efficace et qui permet de donner beaucoup plus efficacement Tectus. Je reprendrai bien évidemment tous les éléments de la vidéo précédente de manière à ce que les nouveaux arrivants puissent regarder cette vidéo sans avoir à se coltiner les deux à la suite. Donc Tectus, il n'a pas changé depuis la dernière fois, hein. C'est toujours une grande montagne avec des pieds qui, quand elle tombe, se scinde en deux petites montagnes avec des pieds qui, quand elles meurent à chacune leur tour, se scindent en quatre encore plus petites montagnes avec des pieds. On va commencer par les différentes techniques qui reviendront tout le combat et qui seront répétées et démultipliées par le nombre de montagnes, demi-montagnes et petites montagnes. C'est-à-dire tout d'abord le barrage cristallin qui part du boss et qui cible un joueur. Donc s'il est au cac, bah, il le recevra tout de suite. S'il est à distance, il le recevra avec le temps que ça arrive jusqu'à lui. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un nuage de fumée rouge qui vous suit pendant quelque chose comme 8 à 10 secondes et inflige des dégâts sans, dans tous ceux qui resteront dans la traînée derrière. Donc, quand vous l'avez, vous vous écartez du raid le plus vite possible. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Pour le reste, c'est très simple. Vous avez des petites AOE qu'il faut éviter, qui font un pic de rocheux, hein, qui reste quelques secondes et vous bounce dans les airs. Et vous avez des grosses AOE qu'il faut éviter aussi, qui vont laisser là par contre un vrai pic rocheux, presque une montagne, qui va bloquer un petit peu la visibilité sur le terrain de jeu, entre guillemets. Voilà. Donc quand il y a 2, 3, 4, 5 boss, et bien toutes ces techniques-là sont démultipliées par 2, 3, 4 ou 5. Et ça, c'est le plus important. Enfin, la dernière technique, c'est le soulèvement tectonique, qui, lorsque le boss est à 100 de rage, va infliger des lourds dégâts sur le raid. Alors, cette technique a la particularité d'être très importante parce que le boss ne peut mourir, ne peut tomber qu'à ce moment-là. On parle évidemment du boss et des demi-boss. Les tout petits boss, eux, peuvent mourir à n'importe quel moment du moment où vous avez le DPS. Donc, le soulèvement tectonique, si vous tombez le boss très rapidement, ben évidemment, vous prendrez moins de dégâts. Si vous le tombez pas rapidement, dans ce cas-là, vous claquez un CD de heal et vous passez outre comme ça. Bon, on va passer un peu à la valeur ajoutée de cette vidéo par rapport à la précédente, c'est-à-dire le placement du raid. Donc là, plutôt que d'être un peu des packs, un peu n'importe comment, et d'avoir les piliers et tout ça qui pop n'importe où, ce que l'on fait, c'est que l'on pack le raid à distance. Enfin voilà, je veux dire, les distances sont packées à distance, les heals sont packées à distance. Et au cac, on a juste les cacs, évidemment, et les tanks de l'autre côté du boss. Donc, les distants vont tourner dans la zone au fur et à mesure des AOE dans un sens anti-horaire. Vous pouvez le faire dans le sens horaire aussi si ça vous amuse, mais bon, bah, moi je l'expliquerai dans ce sens-là avec ma vidéo. Et ceux qui sont ciblés par le barrage cristallin vont partir dans le sens horaire. Ce qui fait que votre groupe a tendance à se décaler petit à petit vers la droite au fur et à mesure des AOE. Comme ça, tous les piliers seront toujours paqués au même endroit et on ne sera pas vraiment bloqué dans la zone. Et ceux qui ont le barrage cristallin vont très vite, dès qu'ils sont ciblés et dès qu'ils ont la notification par DBM, s'écarter du raid par la gauche. Ce qui fait que les flammes ne seront jamais dans le raid ou jamais sur sa trajectoire de déplacement. Étant donné qu'elles partent au bout de 40 secondes et que l'on ne fait pas un tour complet de la zone en 40 secondes. À noter donc pour les barrages cristallins, ne pas, quand on a un barrage, longer le mur, sinon on coupe le chemin pour le prochain qui a un barrage cristallin, étant donné qu'il aura pas de moyen de passer autrement qu'en traversant les flammes. Donc faites bien attention à ça quand il y a 4 ou 5 personnes qui ont le barrage cristallin. Allez-y bien en vous coordonnant sur le TeamSpeak, Mumble ou le logiciel audio que vous utilisez, de manière à ce que chacun ait un trajet sans passer dans les flammes pour continuer à avancer. Bon voilà, là on a fait la valeur ajoutée de la vidéo par rapport à la dernière vidéo. Si vous avez déjà vu l'ancienne, pour le reste, je vais développer les phases
et les ZAD de première phase. Donc, plus grand intérêt, mais vous pouvez continuer à regarder la suite pour avoir une certaine cohérence dans cette vidéo. Donc, les phases dans un premier temps. La première phase, c'est lorsque vous avez le boss tout seul, hein, Tectus, gros, basique, badass, énorme montagne avec des pieds, qui sera aidé régulièrement par des ZAD. La deuxième phase, c'est lorsqu'il se divise en deux. Vous avez deux demi-Tectus qui sont toujours quand même assez solides, qui tapent fort, hein, et qui vont multiplier les techniques par deux. Et enfin, la troisième phase, c'est lorsque vous aurez tombé un des demi-Tectus, hein, vous aurez quatre mini-Tectus qui arriveront et qui multiplieront les techniques par 4 pour eux, plus le demi-Tectus, c'est-à-dire ça fera 5 fois les techniques. 5 fois plus de barrages cristallins, 5 fois plus d'AOE, 5 fois plus de piliers, et c'est pour ça justement qu'il faut tous les mettre au même endroit. Sinon, ça devient très vite très compliqué à ce moment-là, étant donné que le combat s'accélère et que les AOE popent un peu partout. Dans un premier temps, vous aurez à gérer Tectus et deux types d'AD. Tectus fera barrage cristallin, ses AOE et ses piliers qui ont été expliqués précédemment. Quant aux ZAD, eux, au niveau de leur spécificité, vous avez tout d'abord un berserker qui régulièrement perd l'aggro du tank qui s'en occupe pour faire une charge sur le raid. Cette charge est relativement difficile à éviter et si vous le faites, vous allez perdre votre placement si précieux pour cette rencontre. Soignez juste les dégâts qui sont relativement modérés de ce côté-là. Le deuxième AD est le Courbeterre, qui doit être tanké de haut raid car il fait une petite AOE en cône devant lui, et plus important, doit être constamment stun, cut et DPS en priorité, étant donné qu'il donne un buff au boss si vous le gérez mal, qui lui redonne de la vie et augmente de 50% les dégâts qu'il inflige. Donc, première phase, la priorité DPS, c'est tout d'abord le Courbeterre, puis ensuite le Berserker, et enfin le boss. Notez cependant que si le boss est très bas en vie et proche de son soulèvement tectonique, dans ce cas-là, vous allez prioriser Courbeterre toujours d'abord, évidemment, pour qu'il ne regagne pas de vie, mais avant tout le boss, de manière à ce qu'il meure directement à son premier soulèvement, puis ensuite vous finirez le ou les Berserker pendant l'interphase. Plus vous infligez de dégâts au boss, plus il gagne de la rage rapidement. À 100 de rage, il lance Soulèvement Tectonique. Soulèvement Tectonique est très important puisque pendant sa canalisation, c'est la seule fenêtre de temps où le boss n'est pas invincible. Le reste du temps, vous pouvez le mettre à 1 PV, il ne tombera pas. Donc, que faut-il faire exactement? Évidemment, c'est lorsque vous êtes en soulèvement tectonique, priorisez le DPS sur le boss, après le Courbeterre, bien évidemment, pour qu'il ne regagne pas de vie. Lorsque c'est fait, le boss tombe. Si vous ratez cette fenêtre de temps, le boss regagne un petit pourcentage de points de vie et vous vous retrouvez à devoir attendre le prochain soulèvement pour avoir une chance de le tomber. Ce qui vous rapproche évidemment du Berserk si le DPS est un petit peu limite au niveau de votre groupe. Tectus est tombé et donc maintenant vous avez deux demi-Tectus en face de vous qui feront exactement les mêmes techniques que Tectus en phase 1, c'est-à-dire le barrage cristallin et les AOE plus piliers, mais fois 2. C'est pour ça que là, il faut faire quand même un petit peu plus attention. Le bon côté des choses, c'est que vous n'avez plus les ZAD. Donc, gérez de la même manière, le combat accélère très légèrement, et surtout, le tank, au début de cette phase, doit mettre une tête de mort sur un des boss, de manière à ce que tout le monde sache quelle est la priorité à DPS. Il faudra, là encore une fois, attendre le soulèvement technologique pour le tomber, et après l'avoir tombé, le demi-boss se scindra en 4, et là, les choses sérieuses et la phase 3 vont commencer. Dans la phase 3, c'est là où ça devient un peu plus compliqué, car le boss que vous avez tombé, ou plutôt le demi-boss, va se diviser en 4 granules de Tectus qui, si eux ont le bon goût de pouvoir mourir à n'importe quel moment, gardent toutes les techniques précédentes du boss, c'est-à-dire le barrage, les AOE et les piliers. Donc, dès le début, pensez à claquer l'héroïsme, le tank met une tête de mort sur un des granules et c'est celui qui est DPS en priorité. Essayez de tomber au moins deux granules de cette manière avant le premier soulèvement tectonique. Je reprécise donc bien l'importance du placement à ce moment-là, de manière à ce que personne n'ait les catastrophes que l'on a vues dans la première vidéo, c'est-à-dire un espèce de grand n'importe quoi avec du brouillon, des AOE, des piliers qui bloquent la visibilité et des tanks qui sont coincés. Donc, les barrages cristallins sur la gauche
qui, en communiquant bien avec tout le monde de manière à laisser une place pour les prochains barrages afin de passer sans rester au milieu des AOE, et de l'autre côté, le reste du groupe qui va se décaler vers la droite de manière à éviter les piliers et les mettre toujours au même endroit. Voilà. Si vous tombez de granules, le reste de la rencontre reste relativement simple, c'est-à-dire que vous aurez plus qu'un demi-boss et deux petits granules, et là, ça passera très très vite. Vous finissez les granules, vous avez le demi-boss, il se divise en quatre, vous les finissez, et vous avez terminé. C'est donc fini pour cette remise à jour de la strat de Tectus. Donc on va faire un petit récapitulatif rôle par rôle de tout ça. Les tanks, dans la première phase, vous désignez bien un tank pour les ZAD, un tank pour le boss. Le tank pour les ZAD prend le courbe-terre et le met dos raid. Les autres, évidemment, le tapent, hein, ça n'a rien à voir. Dans les autres phases, le tank aura principalement à faire gaffe à pas laisser ses cacs dans des AOE de flammes, mais aussi à très rapidement reprendre, notamment, je pense, pour les granules quand ils popent en nombre, les boss, de manière à ce qu'ils ne partent pas un peu n'importe où dans le raid et ne forcent pas le groupe à perdre son placement. Ça, c'est quand même le plus important de ce que j'ai remarqué. Pour les heals, bah écoutez, vous définissez une rotation de CD de heal pour les soulèvements tectoniques, mais si vous avez suffisamment de DPS dans le groupe, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème par rapport à la phase 1 et la phase 2. Par contre, la phase 3, vous aurez eu besoin de vos CD de heal, mais de CD de heal que vous pouvez utiliser en déplacement, étant donné que vous aurez énormément d'AOE partout et qu'elles poperont très régulièrement, il faudra être en mesure de pouvoir soigner les tanks tout en étant capable de se déplacer pour ne pas mourir instantanément. Voilà. Pour les DPS, c'est toujours très simple, vous suivez la priorité et vous suivez la strat globale, c'est-à-dire vous vous déplacez au niveau du barrage cristallin, vous évitez les AOE. Phase 1, la priorité DPS, c'est le courbe-terre, puis le berserker, puis le boss. Phase 2, c'est le demi-boss qui a été ciblé avec la tête de mort. Phase 3, c'est le granule qui a été ciblé avec la tête de mort. Et c'est tout pour vous. On a fait le tour de la rencontre avec une stratégie un peu moins aléatoire que dans la vidéo précédente. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez des questions sur un détail ou des éléments de stratégie à discuter, n'hésitez pas à les ajouter ici. Je répondrai à la mesure du possible à chacun. Bon, maintenant, il faut que je me motive à faire la vidéo des ogrons qui traîne dans un répertoire poussiéreux de mon PC. On se retrouve donc très bientôt pour la prochaine vidéo et en attendant que loot et PO tombent à gogo. Mais surtout les loot, hein, parce que les PO, ça se mange pas en salade.